Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau stream. Ce soir, je vous retrouve sur Resident Evil 4. On va continuer l'aventure avec Léon Scott Kennedy en standard. On avait terminé le chapitre 3 hier, donc on est reparti pour la suite des aventures. Donc là, on est au chapitre 4. Après avoir craché du sang, Léon perd soudainement connaissance. Quelque chose se trouve dans son corps et le rongeant en silence de l'intérieur. Il lui faut retrouver Ashley avant qu'il ne soit trop tard. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction pour toujours. Bon. Bah on arrive donc après avoir vaincu le monstre du lac Del Lago. Condor 1 à Perchois. Tu me reçois? Condor 1? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et l'église? Je cherche toujours la clé. Des balles de pistolet en attendant. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Alors, notre navire, bah, il a fait glouglou. Je vais pas aller loin avec ça. Ouais, il va nous en falloir un nouveau. Notre couteau est cassé, on a encore un couteau là. On a des vipères qu'on devait garder pour l'une des... Comment ça s'appelle? Pour l'une des requêtes du marchand, voilà, je cherchais le terme. La casquette d'un des policiers. Le pauvre. Donc on est en gare à bateau, de toute façon, il va nous falloir avancer un petit peu dans le secteur pour récupérer des choses. Et après on a encore des trésors à aller récupérer. Donc là on n'y retournera pas. Ici il y avait quelque chose mais je ne sais plus quoi. On a 17 trésors sur les 39. Alors je regarde un petit peu s'il n'y a pas des choses à récupérer. Alors là on a tout, là on a tout, là on a tout. Bon, on va se mettre en route, hein. J'espère qu'il va bientôt y avoir mon arme de cœur. C'est l'un des, ce que je considère comme l'un des meilleurs pistolets du jeu. Alors. Donc on est là. On a plusieurs possibilités de chemin, on va tout explorer. Ah tiens, on va commencer par ça. Quelques pesetas en plus. Il est vraiment bien sombre, hein, le RE4 remake. Plein de petits chemins, on peut peut-être trouver des choses. Là, il n'y a rien. Il y a un coffre, pas. Il y a un tonneau là. De la poudre noire. Bon, j'ai plus de petites ferrailles, mais j'ai encore des munitions de TMP, vas-y. Voilà. Donc là, on est bien avec le TMP. Et puis, s'il faut tirer dans le tas.
Attends, j'ai dû louper un truc dans le chemin et par là ça mène par là, je suppose. Ouais. Plein sud, ok. Une herbe rouge, on va pas cracher dessus. Alors j'ai deux herbes rouges, mais j'ai pas d'herbe verte. Avec. Vas-y, on va sortir le TMP parce qu'à mon avis, il va y avoir du peuple là-dedans. Il y a des crânes. Wow. Bon, je sais ce qu'on... Je le reconnais, ce passage. T'es moche, mon pote. Mais... Oh non, t'es sérieux? Bah tiens. J'aime bien le comité d'accueil, hein. Dis-moi qu'il n'y en a pas d'autres. Oh, il y a eu un sacrifice ici. Oh super, double herbe verte. Donc les vipères, on ne les touche pas. Ah, j'ai un œuf, tu me diras, je peux me soigner. Et je vais me servir de mon bonus là que j'ai avec les munitions de pistolet, tiens, pour créer de la poudre. Ah mais j'ai plus de ça en fait, c'est ça le problème. J'ai plus de petites ferrailles, j'ai que de la grande ferraille, alors on parle. La grotte aux peintures. Oh, ça sent qu'il va y avoir quelque chose là-dedans. Bon, j'ai encore mon lance-carreau, mon pistolet, bon. C'est quoi cet endroit? J'espère juste que l'arme que j'aime bien dans Resident Evil 4, que ce soit le classique ou le remake, elle est toujours là, dans le remake. Qu'est-ce que c'est que ça? Le même symbole qu'à l'église. C'est ça la clé. Ok, il faut quelque chose ici. Je sais ce que c'est. Enfin, je pense savoir ce que c'est, mais ça change déjà du classique. C'est quoi ça? C'est le lac. Et le monstre del lago. Ok. Examiner les deux endroits. Bon, on va y aller. Et il me faut que je retourne à un endroit. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Alors. Alors, on a la place. Il faut qu'on aille là, je crois, un moment. Il y a plein de trésors à récupérer. Et la ferme là où est-ce qu'on est allé un moment? Elle est où cette foutue ferme? Bon, on y retournera. Il faut qu'on retourne à la ferme parce que je crois que j'avais oublié quelque chose. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? La clé des petits hôtels, ça va être très utile. On va pouvoir peut-être déverrouiller pas mal de choses. De la poudre en plus, bon, c'est toujours ça de prix. Requête.
Qu'on aille me chercher un œuf de poule doré. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir, n'est-ce pas? Vendre un œuf de poule doré au marchand. Bah justement, on va compléter ça avec le truc des vipères. Et on a un nouveau canot. Et je vois que mon siège, j'y baisse tout seul, alors excusez-moi. Hop. Parfait. Au niveau des défis, bon. On a fait un de plus. On en est quasiment au quart. Alors, je vais regarder pour où on peut aller pour optimiser un peu nos déplacements. Ici, il y a un trésor, d'accord. Oh, mais c'est une épave, ça. On va y aller. Bon, néanmoins, le Del Lago, il est propre de revenir, en tout cas. On peut accoster quelque part sur ce navire, non? À l'abordage. Qu'est-ce que c'est que ça là? Une alexandrite. On avait encore des trésors ou pas? Non, on n'avait plus grand-chose malheureusement. Ah, attends. On va bien explorer, peut-être qu'il y a des choses. De la grande ferraille. Bon, j'ai deux grandes ferrailles, mais bon, j'en ai pas besoin. À moins qu'on peut fabriquer des carreaux d'arbalète ou une grenade aveuglante. Une grenade aveuglante pour servir pour certaines situations avec les têtes de parasites. Et maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose là? Ah, ok. Oh, mais c'est un beau coffre ça. Ah, le fameux. Te voilà, mon vieil ami, le Red 9. Alors on va l'examiner. Ah, un puissant pistolet, le chiffre rouge égaré et gravé sur la poignée pour qui? Ah, j'adore ce pistolet. Hein. Je sais déjà ce qu'on va faire. On a déjà gagné deux trésors de plus. Et on a trouvé notre nouveau pistolet de prédilection. Mais du coup, on va déséquiper. Hop. Il fait un peu allemand ce pistolet. Et ça, j'aime bien. Ok. Donc là, on est pas mal. Je vais aller juste en face. Donc le lac qui va être central ici. Attends, c'est là qu'on était allé, je sais plus. Le hangar à bateau, on était allé là. Là, il y a. Ouais, on était allé là, ok. Bah écoute, tu sais quoi, on va faire le tour. Là, il y a quelque chose. Une grotte. Ralentissons doucement, douceur. Voilà. Allez. Eh, mais il y a des trucs, il y a des choses à faire là, j'ai l'impression. Il y a des boutons. Ah, il y a des boutons. De la petite ferraille, bon. Pas grave, dès que j'aurai assez de poudre, je referai des mines de pistoles. Alors, il y a un symbole jaune, donc. Ok, trois sortes de vagues. Une sorte de serpent, je sais pas quoi. De la poudre. Eh ben écoute, parfait. On va se servir de notre truc de munitions pour fabriquer le plus de munitions de pistolet possible. Ou pas. Au moins, on a fait une bonne chose. Alors, on a une sorte de marque là, ok. Alors, attends, on va essayer de se rappeler.
Le trio, les vagues et ça, ok. Vous faites pareil que ça ouvre ce qu'on a un truc. Alors. Il y avait celui-là et je dirais c'était lui. Non. Alors, vague. Non plus. Attends, on va regarder encore, on a peut-être mal vu. Alors. Les vagues, ça c'est sûr. Ce qui ressemble à une sorte de P. Et le truc à 3. Ça c'est sûr, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Non. Non plus. Ah, c'était donc cette espèce d'arc là, ok. Pas de regret. Alors c'est quoi ça? La dernière pièce hexagonale justement pour un truc. Peut-être du blasphème. Munition de fusil. De la poudre noire en prime. Toute façon, on pourra pas faire grand-chose de plus. Et mon siège qui continue de baisser. Je suis désolé, c'est chiant. Acheter un d'ici quelques mois. On pourrait plus un siège gaming, mais un siège pour le dos, tout ça. Alors, logiquement, on peut remonter. Un rubis. On a 20 trésors sur les 39. Ok, et ça c'est quoi, y a rien. Allez, fais rugir ton petit son, Red 9. Un autre rubis, bon. Parfait, on a récupéré encore un trésor là. Ce qui est plutôt pas mal. Tiens, il y a une petite tache rouge là, je sais pas ce que c'est. Donc on va retourner plein sud. Ah, c'était ce symbole là, ok, d'accord. Bien, alors je disais qu'on devait aller donc au sud. Après, il y a des torches pour nous aider, donc ça c'est cool. Alors là, ça nous mène où si je vais par là? Les habitations. Ouais, on peut le tenter d'aller aux habitations, allez, vas-y. On va essayer de récupérer le plus de choses déjà. Pourvu qu'il n'y ait pas d'individus mal intentionnés dans le coin. Alors, déjà. Ah, il nous manquait pas mal de choses là. Ouais, bien sûr. Évidemment, tu me fais
Une tête de Plagas ici, bah oui. MDR. Merci. Allez, un piège à ours, c'est l'habitude. Hein. Ça, ça ressemble à la clé d'insigne. Ah, encore une requête, c'est quoi? Quelqu'un pourrait-il m'attraper le gigantesque poisson qui vit dans le lac? L'huile de poisson a de nombreuses utilisations, pas tout. Cette photo devrait vous aider à le trouver. Ok, on va faire de la pêche aussi. Oh, tu vois qu'il y a un truc au-dessus de moi, c'est ça? Bingo. Une spinel, bon. Tu prends. Wow. Attends, wait a second, poudre noire je prends. Quelques balles de fusil à lunettes en plus, je dirais pas non. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut Vegas, bienvenue à toi. Bienvenue sur Resident Evil 4. Finalement, elle a mal tourné. Hein. Je suis sûr que c'est l'une des randonneuses du début avec ça, celle qui s'est fait buter. Alors, on a tout. Il y a un escalier ici. Un escalier. Une échelle. Qu'est-ce que... Wow! La randonneuse, la meuf aussi, elle a pris cher ici. Il semble que l'égalité des sexes soit de mise ici. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi ça? De l'or. Une petite clé supplémentaire, je dis oui. Je reconnais ce bruit. Putain, ils l'ont caché là. Hein. Allez. Châtelain mécanique numéro 4. Parfait. 4 châtelains en 4 chapitres. Plutôt pas mal. Et puis, on va redescendre, la pauvre. J'espère que tu vas bien, Vegas. Bienvenue. Punaise. J'ai l'air un petit peu encore, hein. C'est pas vrai, je maîtrise pas tout le jeu, mais l'histoire je la connais pour l'ancien. Oh oh. Putain. Tu m'emmerdes, toi. Je hais les chiens. Ouais, c'est... Wow. Wow, toi tu dégages aussi. Bon, ok, je vois qu'il faut sortir la grosse artillerie pour être tranquille dans un peu dans ce jeu. Saloperie. Je hais les chiens Plagas. Bon.
Maintenant, on va trouver les derniers trésors qui restent dans le coin. Il y en a un. Alors, je me souviens, dans le chapitre 1, il y avait un truc qu'on n'avait pas pu aller. Mais là, avec la clé des hôtels, ça va changer la donne. On lui récupère un bracelet de perles. Ok. Il y en a un autre dans le coin. Ah, il y en a même deux autres dans la maison. On va y retourner. Putain de sac à puce de ces morts. Ah, il a mis la lampe de torche. On a une petite clé ici qu'on va utiliser là. Et c'est une barre d'or. C'est toujours du fric en plus. Alors, où est-ce qu'il y avait Louis? Je crois qu'il y avait un trésor aussi. Alors ça, c'était où il y avait la photo. Plus besoin. Tu sautes. Avant que le chef du village nous chope. Alors, journal d'un vieil homme, il y a 3 ans, ma fille bien-aimée s'est éteinte peu de temps, peu après avoir donné naissance à son fils. Depuis, le garçon a bien grandi. C'est un enfant très curieux et avide d'apprendre. Il essaie même de me suivre quand je sors chasser. Je ne peux pas le quitter des yeux un seul instant. À chaque fois que nous marchons dans la forêt, il me demande de lui raconter des histoires. Il adore Don Quichotte. Il est encore petit, mais c'est un garçon très intelligent et observateur pour son âge. Si nous n'étions pas coincés ici, il aurait pu devenir savant. J'ai été imprudent, j'aurais juré avoir tiré dans la tête de celui, pourtant il s'est jeté sur moi. J'ai réussi à retourner à la cabane, mais ma plaie a gonflé et a changé de couleur. Je ne supporte pas de voir mon petit-fils inquiet. Mon corps bouge tout seul et j'entends des voix dans ma tête. Est-ce que je deviens fou? Je ne peux pas mourir et abandonner cet enfant. Seigneur, protège-le. La bague avec pierre rouge. Et c'est le dernier trésor du coin. On n'a plus de balles de TMP déjà. Bon, les grenades, par contre, je suis fou, hein. Et là, j'ai mon nouveau copain là. Alors ça c'est la photo, faut pas que je me fasse avoir. Alors maintenant, j'ai du mal à me repérer ici. C'est curieux. Alors tu sors par où? Ils ont bien joué sur les contrastes, ça c'est cool. Donc là, je vais au moins faire 2 chapitres ce soir, peut-être 3 si j'ai la motivation et pas trop la fatigue. Bon là, pour l'instant, on a récupéré tous les trésors. Donc là, je vais aller là et je vais aller là aussi. Donc là, on n'a plus besoin de revenir. Alors, si je vais par là, ça va pas. Par contre, faut que j'aille. Oh, il y a des petits trucs à casser là. Ah, c'est cool. On va faire un petit peu de pognon, c'est pas grand chose, mais ça se prend, tu craches pas dessus. Vegas, je me suis aperçu d'un truc con, mais. Peut-être que c'est moi qui. C'est quand tu m'avais fait ma bannière en fait. Il y a ma bannière YouTube, il y a aussi mon Twitch, donc. Et en fait, il n'y avait pas le YouTube, donc c'est pas grave, mais. Qu'on pourrait. Qu'est-ce que je veux dire? Si on pouvait modifier le Twitch en YouTube juste pour YouTube, si c'est possible. Ah merde, je suis trompé de coin. Alors, il manque pas. Non, justement, il manque rien à Vegas. Mais en fait, si tu veux, pour ma bannière YouTube, il y a écrit Twitch. Et je voudrais savoir si c'est possible de modifier juste YouTube. Tu vois ce que je veux dire pour faire YouTube, YouTube et Twitch, Twitch. Tout est là, hein. C'est pas le souci, c'est juste pour savoir si c'est possible de faire un correctif ou pas. J'aurais dû te le demander quand on s'est aperçu ce matin. Alors, un œuf de poule, on va garder. Un bleu velours. Un œuf de poule. Ah, le voilà, cet œuf de poule doré. Ok, je vais prendre ça. Un œuf de poule brun, bon.
Il est où l'œuf de poule dorée au fait? Il est là, il faut pas y toucher. 24 sur 39, un petit œuf complémentaire. Bien, donc ça nous fait 24 trésors. On va aller chercher. Il y a un trésor là-bas, on va y aller. Où il y a cette torche. Ils ont bien indiqué sur le lac. Ça, c'est très cool, c'est très agréable. Alors, je suis pas venu là, on est d'accord. Oh, il y a quelque chose là. Viens là, toi. Attends. C'est la fameuse pièce, c'est ça? Ah, et maintenant qu'on rigole. Le fameux trésor de Brinde. Il va falloir être très patient pour ce trésor. Donc lui, il est là, ça c'est sûr. Donc lui, il devrait aller. Ouais. Pas mal. Lui doit aller en bas. Là, il y a un petit souci en fait. Faut que j'arrive à mettre ces pièces de merde ici. Avance. Hein. Je sais que déjà il manque. Alors oui, je pense maintenant, c'est plus pertinent d'essayer de tuer ton contenu, tant plus tourner sur YouTube, le plus que tu fais. La personne atterrissant sur la chaîne n'a pas besoin. Ok, après s'il faut faire quoi que ce soit, il faut régler quoi que ce soit, tu me le dis, comment je fais nécessaire de mon côté. Ça me semble pertinent pour le Twitch. Pour YouTube, on peut laisser ça comme ça. Alors là, j'arrive pas, par contre, c'est galère. Je peux tenter de le réussir. Ça, c'est en bas. Ça, c'est une certitude. Ouf. Qu'est-ce que j'en ai chié? Qu'est-ce que c'est que ça? Une idole corrompue. Bon bah je prends, hein. Bah c'est juste du texte, je change rapidement. Je te remercie Vega, c'est gentil à toi. Alors là on avait tout récupéré, ouais. Ça nous fait 25 trésors sur les 39.
Alors je sais plus au niveau des requêtes du marchand, on avait quoi? Donc il nous restait les vipères, l'œuf et le poisson. Le poisson. On va tenter d'aller le chercher tout de suite. Le poisson. C'est délicieux. Si j'étais un gros poisson. Alors, c'est pas là, c'est ça? Non. C'est un gros poisson. Où est-ce que tu pourrais être, mon grand? Bon, là, j'explore beaucoup, vous me direz, mais c'est voulu. Il est près de la cabane de... Ok. Il faut que je retrouve cette foutue cabane qui est là. Où t'es, mon grand? Oh, il est là. Je crois qu'on le tient. Voilà, mon petit. Un sujet du texte. Pour ce que tu veux changer exactement, il n'y a pas de texte parce qu'elle est cachée par plein d'éléments. Ok, C'est du découvert. Bah, je te renverrai un message, ça marche. Bah, merci en tout cas de ton tonton. Oula. Alors attends déjà. Il va me faire de la place pour ce foutu gros poisson. Il va nous prendre beaucoup de place. Alors, déplacer. Là, je pourrais faire une collection d'œufs sans déconner. On ne l'utilise surtout pas. Parce que là, on a moyen de se faire pas mal de pognon là. Il me reste encore 14 trésors à les récupérer. Ce sera pas par ici. Mais ce sera là. Ok, donc là j'ai l'oubli, je sais qu'il y a un trésor, mais j'ai pas une petite clé. Et je crois savoir où est-ce que je l'ai laissé. Bon, déjà je vais faire tout de suite mes trois requêtes là. J'étais occupé du pas mal du tout, l'ami. J'ai mis la main sur quelques raretés Alors, étrangères. ça je vends, ça je vends, ça je vends, ça je vends. Les richesses Ça, que je tu vends amasses te serviront à rien dans la tour. Étranger, 57 000. oh, je suis prêt à payer une cote parfaite. T'es un vrai professionnel. Les œufs, je garde. Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Échangeons. Il y a certaines choses que l'argent n'achète. 8 et 2, 10 et 3, 13. Vas-y, je fais ça. Crosse de Ça TMP, devrait masque t'éviter quelque élégant. chose, petit monde. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Des dimensions plus connectes, même si la taille ne fait pas tout, pas vrai? Le Red 9, je le garde. C'est ce pistolet que je gardais sur jusqu'à la fin du jeu.
raison, ça plus besoin. Ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Merci. On va réparer le couteau. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Alors. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. On va essayer de modifier un peu ce Skull Crusher. Bon, on a la capacité à fond, tu vas me dire, mais j'ai plus de balles. Bon. Les armes sont ça sera la Rêve 9, la priorité, donc on va augmenter la puissance de feu. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Bon, la capacité... Non, on va garder notre j'ai argent. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Reviens. Et là, j'ai pas de ferraille du tout. Attends, l'œuf d'or, je l'ai pas revendu. Bon, on va le corriger tout de suite, ça. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Qu'est-ce qu'on peut échanger ? Non, rien. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille. Vitesse de rechargement, c'est toujours bien ça. Tes goûts, étranger. En quoi puis-je t'être utile ? Et ne va pas te faire tuer, hein ? Ah ! La clé d'insigne, on peut la revendre, tu me diras. Voilà, déjà on aura déjà ça de prêt pour plus tard. Il nous faudra encore une pierre jaune. Voilà, comme ça on a un soin complémentaire. On a pas mal de munitions niveau... Alors, est-ce que j'ai une save dans le coin ? Oui, viens là toi. Je vais voir si je peux retourner vite fait au... La ferme piscicole, je peux y retourner justement. Mais je vais y retourner tout de suite. De toute façon, il me reste encore quoi comme trésor à aller chercher ? Il me restera à aller chercher ici. Il y a un petit hôtel aussi. Bah justement, je vais tout refaire vite fait. Bon, c'était pas le bon, la bonne partie que je voulais, mais pour soit. Alors, faut pas que je me trompe. Pas que j'aille tout de suite à la carrière, je sais déjà ce qui m'attend pour ceux qui ont fait le jeu. Parfait, une lampe papillon. Et je peux sortir des choses en plus. Voilà, comme ça là, on va gagner de la valeur. Donc il me faudra au moins deux pierres jaunes, ça serait cool. Et qu'est-ce que j'allais faire? Ouais. La ferme piscicole, faut que j'y retourne. Allez. Justement, je vais tout de suite revendre la clé de l'insigne, au moins je serai tranquille. Qu'est-ce que je peux faire? Elle ne me servira plus de ce qu'ils me disent, si j'ai bien lu. Bienvenue. C'est toujours 2000, hein. J'achète tout, merci. En vrai, charger le fusil avec deux balles maintenant, c'est pas mal du tout. Reviens quand tu veux, surtout. Et logiquement, si je vais par là, c'est la bonne route.
Là, faut pas que je descende par contre. Alors attends, faut que j'accède. Si je dis pas de bêtises. Le cabanon, il est là. Tu vas voir que j'avais oublié d'aller ici. Je me connais, hein. Qu'est-ce que je dis déjà? J'avais oublié une petite clé qui va être utile chez le marchand. Bon. Certains me diront que c'est peut-être pas tout ça pour ça, mais bon. Et sachant que j'ai encore des petites choses à aller récupérer. De toute façon, là, je vais devoir remonter, j'ai pas trop le choix. Non! Pourquoi? Ah! Yeah. T'abuses, Léon, je t'avais pas demandé de faire ça. Bon, au moins le jeu il est réaliste hein, là-dessus. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, attention, ici, tu lui fais gaffe. Faites gaffe ici hein, pour éviter de vous retrouver je ne sais où. Hop. Et là, normalement... Ça, c'est... Ok. Il y a forcément un accès. Hein. Non, là c'est pas là, ça c'est sûr. Il faut que je retourne. Une vipère pour soigner, c'est toujours utile, j'ai envie de te dire. Alors, est-ce que faut aller là ou pas? Ça y est. Au moins, ce que j'aime bien là, c'est qu'au niveau de la du réalisme du jeu, c'est que quand t'as une torche, il te l'indique bien et ça c'est cool. Là, je vais récupérer mon trésor, là je vais avoir mon bateau, je vais aller là. Bon, évidemment, il y a encore quelques trésors à aller chercher par-ci, par-là, mais on va les récupérer petit à petit, j'ai confiance. Il nous en reste plus que 13 à trouver. Hein. On a les deux tiers des trésors. Si je termine le village ce soir, si tout va bien, on devrait avoir tout. J'aime bien, je me suis trompé de coin, c'est ça? Et merde. On remonte. Bon, le chapitre 4 va peut-être durer plus longtemps que prévu, j'en suis désolé. Mais c'était voulu. Alors t'arrives là. Et voilà.
Ah, une montre à gousset, ça fera du pognon en plus. Pour le raid 9, ça se trouve, ça te prie. J'ai un bienvenu. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Une affaire bien conclue. Est-ce que je peux modifier encore le raid 9 là? Je peux remonter la capacité à 12 ou sa cadence de tir? Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Cadence Tiens, de tir. Vois ce que ça donne, l'ami. Quelque fait bonne route. Voilà, une petite save intermédiaire. Ce que j'aimerais essayer de faire sur cette run, c'est chaud, mais bon, après, c'est une première run. Hein. Ça serait d'éviter de mourir une seule fois de la partie. Bon, pour le moment, 4 chapitres. J'ai eu de la chance, vous allez me dire, mais ça serait mon but, quoi. Alors, maintenant, je vais retourner chercher mon bateau. Et d'ailleurs, en parlant de roquettes, on en est à combien, là? 1, 2, 3, 4, 5... On en a fait 7 sur l'ensemble, je sais pas combien il y en a. Je dirais peut-être une vingtaine. Donc, on en a loupé aucune. Ok, maintenant on repart en expédition. Alors ce sera par où? Pour moi ça devrait être par là. Et à mon avis on va avoir de l'action. Ok, il y a même un coffre, on va récupérer un peu d'argent. Mais du coup, franchement, actuellement, moi je dis, bah, pour ce que je vois, le RE4 remake, c'est le jeu de l'année et c'est le meilleur remake à présent du jeu. Ah, on va recharger tout de suite. Et derrière, je vais m'équiper du Raid 9 aussi. Mettre en raccourci, là. On va explorer un petit peu le coin pour le moment. Oh. Deux balles et ça le fume. Hein. Grenade aveuglante, je crois que ça sera pas de refus. Wow. Il y a cette saloperie là que je déteste. Deux balles de fusil, ok. Wow. Pfiou. Ça va, je crois qu'on les a tous eus. 500 pesetas, de la poudre et de l'argent. Là, il y a une échelle, ça met nous. Il y a des bonnes choses hein, là-dedans. Ouais. Oh, il s'est grillé tout seul.
Oh là là, t'es pénible toi. T'es sérieux? Bon. T'es bien à terre comme ça. Compte-toi. Oh, je t'ai vu. J'irai te chercher après. Ok, il y a ça. Waouh. Attention. Bon, écoute, je voulais pas faire ça, mais soit. Waouh, on a de la ferraille, c'est bien, et une herbe jaune en plus. Alors, déjà, la ferraille, fabriquer une de pistoles. Et mine de TMP. Vite. Bien joué. Wow, toi tu te transformes pas, tu restes comme t'es. Sanctuaire de la grande grotte, bah écoute. Alors, on a une sorte de symbole comme ça, ok. Attends une minute, toi. Il y a un bruit métallique, je l'entends. J'entends le petit balance. Alors que c'est juste en face de mes yeux. Effectivement, ouais. Un jeton d'argent supplémentaire, ça se prend toujours. Il ne reste plus que 11 trésors, ça va. Donc on a ce symbole là, ok. Il y a ce symbole là avec le, alors l'ADN et la courge, je veux dire ça que c'est une courge, ouais. Alors, ça, j'ai vu ça tout à l'heure. Parfait. Bon, on a un oubli. Ok, donc on peut aller chercher le masque. Bon, maintenant, il faut se tirer de là. Et tu vas voir qu'on aura des visiteurs encore. Putain, une balle. Headshot. Joli, recule. Joli ça.
500 pesetas de plus. Alors, il est où mon bateau? Bon, ah, il y avait deux tonneaux là. Un peu d'argent supplémentaire, ça fait toujours ça de prix. Ça s'ouvre. Bon, écoute, on s'en fiche. On a tout ce qu'il nous faut maintenant, on se tire. Contre niveau mule, la situation, bon, on a encore quelques grenades, mais c'est assez compliqué. Hein. Donc là, on est bon. Là, on les a nettoyés déjà. Ah voilà. Ainsi de l'hélice, parfait. Condor 1 à Perchoir, j'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant on va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Bon, c'est pas mal. Donc, va falloir aller à l'église. Et ça va être le début des emmerdes. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, on va récupérer des petits trésors, hein, sûrement. Donc là, il nous reste encore combien à trouver? Il nous reste encore 11 à trouver. Ok. On va retrouver plein de choses. Hein. Après, je pense qu'au chapitre 5 avec Ashley, on va faire pas mal de bonnes choses aussi. Je pense que c'est ça la logique. Hein. Bien. Alors, maintenant... Alors c'est pas là, c'est où? Suivre la côte. Ok, on a la crosse de TMP s'il faut. Puis-je t'être utile? Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Allez, j'augmente la cadence du TMP. De petits ajustes pas mal. Le couteau de combat, là, il est bien. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui décidons. Bon, on va vendre Maria, on n'en a pas besoin. Est-ce que ce sera tout?
Le viseur laser, on verra plus tard. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? S'il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper. Occupé avant d'aller par là, ce serait vraiment de... Bon, en principe, on a tout récupéré. Hein. Bon, il y a encore des trésors qu'on devrait aller chercher ici et là. Et attends. Il y a quelque chose là, il faut que j'y aille. Attends. J'ai l'impression que je suis pas allé au bout en fait. Alors, déjà on va sortir. Alors, sachant que... Ah non, c'est pas dans, je suis pas dans le bon sens. Déjà, hop. Là, l'idée, j'ai l'impression de pas être allé jusqu'à fond de l'embouchure de l'arrière. Parce qu'on dirait qu'on peut accéder à quelque chose, vous voyez. Hop. Parce que... Je vais aller voir. Peut-être que je me plante, hein. Bon, un petit peu d'eau. Qu'est-ce que je disais? Et tu peux remonter comme ça en plus. Et là, il y a deux petits trésors. Alors, est-ce que je vois autre chose? Non. Okay, je m'en doutais, il y avait deux trucs là. Et c'est pour ça qu'on les voyait du dessus. Ok, je comprends mieux. Et là, c'est un bracelet splendide. Et là, je pense qu'on peut le sortir, lui. $16,500 quand même. Hein. Ok. Et le deuxième trésor, t'es où? T'es là. Et c'est, tu étais une alexandrite qu'on avait fait tomber. D'accord, bon, c'est pas mal du tout. Et puis ça nous refera de l'argent pour repartir. Il reste des petites choses. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse y accéder. Ah non, ça c'est l'église. Là c'est l'église, ok, j'ai rien dit. Ça, ça va être la cabane du chef. Parce qu'il nous reste combien de trésors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, c'est des petits trésors annexes, attention. Oh, en plus, ça se recette l'argent, ça c'est cool. 4007. Oh là là, tout le pognon. Attends, j'en ai vu un qu'on avait oublié derrière. Parfait. Là, on sert fait un peu plus de pognon. Et maintenant, il faut que j'aille à l'église. Bon bah ça aurait été un beau petit road trip hein, cet épisode.
N'oublie pas qu'arme à feu. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Merci. Alors, on va modifier une nouvelle arme. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier à fond? Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. On va modifier la puissance du feu du fusil à lunettes. Et voilà, comme tu l'as demandé. Est-ce que ce sera tout? La vipère, on va la garder. Ça, on va la garder. Les richesses que tu amasses. Si il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Tu crois pas? C'est sûr. Attends, j'ai une dernière chose à faire avant. Je vais tenter de tirer une dernière fois sur la dernière épreuve. Ok, c'est quoi? Vie restaurée par les vipères plus 40%. Ok, bon, pourquoi pas. J'ai tenté de le rendre S ici, sinon juste tant pis. Alors toi tu changes d'arme tout de suite. Ok. Non ! Oh, le misclic. Bon, parfait. Alors, attention. Bien. Oh, foiré. Oh merde, faut pas utiliser de pistolet là, ok. Oh, vous êtes des enfoirés avec ça. Il est pas simple, hein. Je vais essayer. Ok, tour de chauffe. Bien. Attention. Oh, c'est sérieux là? Là, là, ok. Je sais pas si je l'ai eu, mais... Faut faire combien pour faire S? Faut faire 8000. Bon, pas grave, moi j'aurais essayé. Chef des fanatiques, vie restaurée par les herbes plus 10%. Faudrait que je recommande bien le faire celui-là. Jette un œil, bienvenue. On peut revendre les deux j'ai trucs que j'ai eu. Chose intéressante à vendre, étranger. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça.
Les armes sont s'il te reste des. Alors maintenant, est-ce que je peux crafter des trucs? Parfait, on va passer à 15 balles de fusil de net. Tu ferais bien de t'en occuper. Avant d'aller. Bon. Parce que là, il va y avoir des petits trésors. Là, ça, c'est sûr. Là, il n'y en a plus. Et après, il faudra que je remonte au manoir. Le manoir, là, c'est sûr. La ferme, il faudra que j'y remonte aussi. Par là, ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant des jours. Tu crois pas? J'ai une dernière chose à faire. Oh. Ok. Ça annonce la couleur directe. Oh. Ok, il est de retour, lui, il m'avait pas manqué. Entre ses jambes, voilà. Ok, ça. Waouh. Ok. J'ai tenté de le canarder avec le TMP. Que je peux récupérer d'équipement, ouais. Oh, ils nous ont mis la blinde, c'est pas pour rien. Ok, c'est bien. Il sort de là. Ok, la cabane là, on récupère tout. Ok, alors on va vite recharger nos armes vite fait. Ah, le fameux, il est là. Aïe. Le joli coup de pied qu'il m'a mis. Il y a moyen d'esquiver ou c'est en option? Au moins on aura gagné un petit peu de vie en supplément. Putain, il s'en branle de ce que je lui mets. Ok. Merde. Le skull crochet. Vite. Ok, on peut esquiver avec ça. Mais. J'ai plus que 3 balles, ok. Pas le shooter cette saloperie. Mais le chien il s'en fiche hein. Oh attends.
Je vais aider, parce que je dis pas non. Non mais c'est une blague. Mais d'où il remet, il se remet un stand, c'est abusé ça. Wow. Allez, vas-y. Oh mais à un moment faut arrêter l'abus du jeu quoi. On l'a eu, c'est bien. Alors bah c'est pas trop tôt. C'est quoi cette horreur hein? Ça ils l'ont bien fait hein. J'ai failli finir en crêpe. Ok, direct sur l'église. Bon, on l'a eu. Et il est où le logo, au fait? Ah, bah, il est là. Merci, vieux. Ah, on récupère en plus quelques munitions de pistolet en plus, ça c'est bien. Par contre là, on n'a plus une balle de ça. Hein. Allez, en route pour l'église. Et là, on va avoir des surprises encore. Attends, je me souviens d'un passage, est-ce que c'est ce que je crois? On l'a eu, c'est bon. Ok. La Graham, je viens vous aider. Munition de mitraillette, ça je dis oui. Cartouche de pompe. Bouton bleu, ça on sait pourquoi c'est. Pour ceux qui ont fait. Bon, c'était pas comme ça dans l'ancienne version. Hein. Ok, on peut pas accéder par là pour l'instant. Oh, il y a une herbe verte que j'aurais loupée. On va recharger un peu nos armes parce que il y a du taf. Hein.
Ouais. Une petite clé. Ok, bon, déjà on va installer le bouton, on va faire l'énigme, on va ouvrir. Et après, je sais ce qu'on va faire avec cette clé. Alors, le bleu. Ok, le bleu, c'est bon. Maintenant, le vert. Et le rouge. Parfait, donc on a ouvert, mais je dois aller avant tout, je dois faire un truc à l'extérieur. Des carreaux, ça sera utile. Truc là, si je dis pas, ah, je pensais que t'es là, t'inquiète. Un diamant jaune, ça ce sera utile pour sertir la lampe, le masque et aussi là on va se faire du pognon. Il y avait un truc là-dedans, c'est ça? Non, c'est pas là. Bon, on va trouver ce que c'est, mais... Ça doit être juste en face de moi. Non, c'est pas ça. Il y a une grenade à vlog, donc ça servira. Dommage que tu peux pas utiliser la lampe de torche un petit peu, ça aurait été un cool. Au moins, on a récupéré pas mal de choses, donc il nous reste encore 8 trésors. Hein. En principe, il devrait vite tomber. Je dis bien en principe. Bon, je regarde juste un truc vite fait. Et pendant que Steam me fait de la merde, je sais pas pourquoi. Il me compte pas, alors attends. Ah ok, il compte pas le Gigante comme un truc. D'accord, parce que dans le classique, le Gigante, c'était une étape. Ok, c'est bon à savoir. Je pensais qu'il y avait eu un bug, mais non. Ashley, vous êtes là? Un petit peu d'or et de ferraille. Ah bah là le téléphone il va beaucoup moins bien aller.
faudra être avec quelqu'un ici. Ok. Ashley. Ashley Graham, vous êtes là? Laissez-moi. Écoutez. Calme, Alicia. Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. Et... ok, super. Ma bouteille d'eau. Elle est à côté, elle est tombée. Hey, c'est dangereux dehors. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Persévérez. Offrez leur don. Le salut. Ok, Léon a retrouvé Ashley, donc maintenant on va avoir un comité d'accueil qui s'appelle les villages. Le village, pardon. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend. Parce que notre précision l'a bien baissé par contre. Oh. On se fait moins attaquer, ceci dit. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu ce chapitre 4, même s'il était un peu plus long que prévu, mais je voulais faire la chasse au trésor, parce qu'il y a des succès à faire. On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure Resident Evil 4 Remake. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.